Fast Club est aujourd'hui à Las Vegas. Pour une fois, on n'est pas sur un circuit. Je suis avec David et Jérémy qui bossent dans l'école de pilotage du Fast Club ici à Las Vegas. Alors aujourd'hui, mission difficile puisqu'on va devoir déterminer quelle est la voiture qui est la plus destinée à la frime. Vous avez une petite idée, les gars? Vaguement, ouais. Vaguement. Quoi? Je pense que l'Audi, ça paye, quoi. L'Audi, ça paye, tu crois? Oh, ouais. Discret. Bon, alors, tu vas prendre l'Audi. Toi, David, tu prends... Ferrari. C'est un Ferrari, c'est à l'état pur. Moi, je prends la Lamborghini Murcielago, direction le Strip de Las Vegas. C'est l'équivalent des Champs-Élysées parisiens ici à Las Vegas aux États-Unis. On va voir quelle voiture va être la plus prise en photo. Est-ce que c'est la Lamborghini Murcielago, la Ferrari F430 ou l'Audi R8? La voiture la plus frime ici à Las Vegas. C'est parti. Ah, je viens de me prendre un petit flash avec la Murcielago. Ah, un flash pour la Ferrari. Oh. Alors. Ah, le bruit de la Ferrari, quand même, c'est pas mal. Hello. Encore un point pour la Murcielago. Je vous dis, ça paye, la Murcielago. Jérémy, t'as vu, ça fonctionne, hein, parce qu'il y a, ouais, y a un petit peu un attroupement. Là, il y a au moins une trentaine de personnes qui regardent, que ce soit l'Audi R8, la Ferrari. On s'est fait flasher encore. Ah, encore un flash de plus. Which car do you prefer between the Audi? Which one? The yellow. Ah, la Murcielago encore. Where are you from? Tri-City, Washington. Washington. Ah, voilà, un Américain. OK. Excuse me. Hello. Oh, what am I choosing between? The yellow one or the red one? To show up on the strip, you know. I gotta tell you, I like yellow. Ah, elle aime le jaune aussi, la demoiselle, voilà, Murcielago. Bon, là, j'ai trouvé un fan de Lamborghini. Max, ça va? Ça va, très bien. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette Lamborghini Murcielago, parce que tu as l'air de t'y connaître à mort. La Murcielago version LP640 est la version améliorée de la Lamborghini Murcielago, qui elle-même vient de la Diablo 6 litres, qui était une automobile créée à la base par Marcello Gandini il y a 40 ans sous le nom de la Countach. Lambeau, pas content, ils ont sorti la Diablo. La Diablo a donné la Murcielago. Donc aujourd'hui, on a une vraie Lamborghini. Stéphane Rothenberg sort de ce corps. C'est pas possible. L'un des avantages de la Murcielago, c'est quand même ça. On peut rouler comme ça. Bon là, voilà, je triche un petit peu pour obtenir 2-3 flashs supplémentaires, hein, mais je m'en voudrais pas. Ringing to the folk, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Which one is your favorite? David lui demande quelle est sa favorite. Tout simplement. I never drive it, but I think I like the Lamborghini? Yeah. Which one is your favorite? Favorite Ferrari. Ferrari. Ah, you're my best friend. I'm a Ferrari fan myself. Lamborghini. So which one is your favorite car? You know, Lamborghini. Ah, encore un vote pour la Lamborghini ici. You? Ferrari. Ferrari, voilà, Ferrari, 2 points, ça remonte. Ferrari! Forza Ferrari! Ouais! Jérémy, il y a une jeune femme toute seule, c'est pour toi, ça, c'est ta cam. Ah, voilà, ça, normalement, c'est pour moi, ça. Alors, hey, how are you? Hi. I'm Jérémy. Zina. What's your name? Zina. Zina, where are you from, Zina? I live here, Las Vegas. Oh, elle habite à Las Vegas, ben voilà, une habitante de Las Vegas, c'est parfait. So, in your opinion, which car here do you prefer? I like this one. This one, the Audi R8? Yeah. L'Audi R8, ah ben j'ai raté. Eh oui les gars, je vous avais dit que ça payait l'Audi R8. Ah, oh, t'as là, non, mais tu l'as acheté, c'est pas possible. Mais là. Non. Do you want to go and try it? Do you want to go for a ride? Please. All right. Ah ouais, bah allez, écoute, ça paye. Ah bah il part avec, et bah ça paye directement, a priori. Hein. Voilà, c'est pas mal, hein, finalement. Merci beaucoup. L'Audi R8, on te laisse faire. Hein. C'est classe, c'est simple.
Ciao, Jérémy. On est devant l'endroit le plus visité, le monument le plus visité de Las Vegas, le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas, bienvenue dans la file fabuleuse de Las Vegas. Ah ben voilà, on a, je pense, trouvé le groupe parfait pour avoir notre avis. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Girls. We have to ask you a few questions. Yeah. Which one is your favorite car out of the three cars? Really? The yellow one. Yeah. Yellow? So all of you? So how many for you? How many yellows? Trois jaunes. Trois pour la jaune. Attention, trois points de plus. The red one. How many for the red one? Trois. Ah, trois aussi, c'est partagé. Trois pour la Ferrari. And for the Audi R8. The gray one. Ah ben voilà, il y en a une. Dustin, ah ben là, on retrouve notre chauffeur de limousine. Vous l'avez vu, notre chauffeur de limousine dans Fast Club. Yeah. Ah oui, il y a du monde derrière. Alors. Voilà, on est parfait ici. Écoutez, c'est ça Las Vegas. Hein, on est tout droit dans l'endroit où on va trouver les femmes qui viennent enterrer leur vie de jeune fille ici à Las Vegas parce que c'est une grande spécialité. Which one of this car do you prefer? Red. I prefer the yellow. Un point pour la jaune, un point pour la rouge encore. La Ferrari aussi finalement. On voit que la Ferrari, ça marche pas mal. Ça marche finalement, c'est la Lamborghini Murcielago qui paye le plus. Hein. On l'a vu. Hein. Comme quoi ça marche hein, d'avoir des voitures comme ça à Las Vegas. On va à Las Vegas. Bon les gars, petit bilan Audi R8, pas terrible Audi R8. Hein. Bah, écoute, très bien, bah regarde, pour moi, j'ai pas perdu ma soirée. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas perdu sa soirée. Attends. Pas beaucoup de réussite, pas beaucoup de votes, mais en tout cas. Une pêche. Hein. Très bien. Voilà, une femme, bravo. Hein, 100%. La qualité plus que la quantité. Avec 100% de réussite. Ah ouais, c'est vrai, c'est très classe. Efficacité. C'est efficace. C'est exactement. R8, R8, c'est l'efficacité. Exactement. David, écoute, la Ferrari. Ferrari a pas mal de succès. J'ai même rencontré comme un 4x4 rempli de jeunes demoiselles. Ah oui, c'est des bachelorettes parties en général. On nous demande beaucoup de faire ronfler le moteur, etc. Mais surtout, il y a quand même un groupe de filles qui m'a dit ces voitures-là sont plus faites pour être sur circuit que sur la route. Ah bah voilà, enfin, faut qu'ils regardent Fast Club, c'est bien ça. Connaisseuse, mais bon, j'ai quand même récupéré le numéro de téléphone, je te rassure. Ah, c'est vrai, bah voilà, ça paye aussi Ferrari. Bon, moi je dis que la grande gagnante, c'est quand même la Lamborghini Murcielago. C'est celle dans laquelle je suis plus beau, je trouve en tout cas. Elle gagne largement sur le strip, que ce soit au niveau des flashs et puis au niveau des commentaires des Américains, des Russes, des Italiens, toutes les personnes qu'on a pu interroger ce soir. Allez, on continue dans Fast Club.